Bonjour à la team Pitch Addict, déjà un grand moment de notre existence parce que vous allez voir l'initiative, l'ambition, l'intuition, l'inspiration de ce team et encore une fois voir la qualité technique de ceux qui savent jouer, aussi la connaissance de ce football extrêmement juste. À vous de profiter et à nous d'essayer de rester unis ensemble. Vamos! Pause, avant que ça commence, qui dit invité de fou dit surprise. Donc si tu veux gagner un cadeau offert par Omar, ça se passe en fin de vidéo. Bah, je pars, c'est toi, en milieu, viens au milieu. T'es pas habitué à la caméra? Non. Bon les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, grosse vidéo avec une légende du foot. Aujourd'hui, on va le défier sur deux défis. Ça va être que des trucs sur la connaissance du football. On n'est pas sur notre terrain. Là, on a quitté le foot, donc ça va être compliqué. Si Omar gagne, ne nous en voulez pas. Ouais. Donc, deux défis. Là, on va commencer dès maintenant pour le premier défi. On va nous donner des noms, enfin des surnoms de footballeurs. Et il va falloir deviner à quel surnom appartient à quel joueur. Donc, je pense que... Moi, je le sens pas. Je le sens pas. Là, je sens qu'il est prêt. Moi, je t'avoue, j'en ai deux, trois. Mauvaise mémoire, moi, vieux. Là, vous avez des avantages. Là, ça va être de la rapidité. On est deux contre Omar, donc ça peut le faire. On double nos chances. T'avais un surnom quand t'étais joueur? Bien sûr, tous. En Argentine, on a tous un surnom. La Pulga? Exact. La Pulguita, parce que la Pulga, c'est déjà un peu. Mais moi, j'étais plus petit. On y va. Let's go, c'est parti. Ok, c'est parti. Pipita? Higuaín. L'araignée noire. Et Yassine. Le vieux, ça, pour les pauvres, ils étaient morts. Ah ben, non, maintenant. El pibe de oro. Et Maradona, non. Il a eu. 3-0. Il phénomène. Ronaldo. Non. Mais on les a tous. Non, allez, stop, allez, vite. The King. Cantona. Oui, non, mais c'est trop vieux. Oui, non. La Pulga. Mais là, il y a un petit plus 5. Dembouz. Dembélé. Ok. El Fideo. Mais Dembélé. Omar, autant arrêter les dégâts maintenant parce que là, on est en train de prendre un bouillon. Premièrement, je gagnais par Omar. Non, il nous a carrément humilié. Non, il n'y a pas de gagnant. Non, mais il n'y a pas de gagnant. On est là pour le football. Exact. Heureusement. Il nous apprend. L'esprit couvert. Ça nous fait justement réfléchir, avancer. Ouais, c'est ça. Bon, là, les mecs, deuxième jeu. Première manche, gagné par Omar, même s'il nous a dit qu'on ne comptait pas les scores. Deuxième manche, c'est parti. Omar, t'as dit des phrases qui sont légendaires dans l'histoire du commentaire. Oh, tu le sais. Il est modeste, il est modeste. Là, va falloir trouver quelles phrases sont vraies. Quelles phrases sont fausses. Donc, on va se donner un petit temps de réflexion avec Thibaut et après Omar il va nous donner la réponse. J'espère que tu as la réponse quand même. Parce que si tu hésites sur tes propres phrases. Il a lâché des masterclass sur Barça, Osasuna, qu'ils étaient sûrs, ils s'en souviennent pas. Attends, viens, on se met à côté. On se met à côté. C'est l'IVSE. Ok, allez. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Ça, c'est niveau facile, c'est du classique. On dit oui. Ouais, on dit oui. Moi, je dis oui. Ariane Robben face à Casillas. C'est ça, le cabriolet, les refs. La deuxième. Lewandowski, il sort du pétrole au milieu du parking. Je pense pas. Hein. Moi, je pense que c'est non. Oui. Non. Il a dit. Il a sorti du paquet du pétrole. Il reconvertit un bijou en caillou. Il sort du caviar d'une tranche de mortadelle. Pedri et Lewandowski, il faut qu'ils dansent le tango ensemble. Vas-y. Fais-moi confiance sur celle-là. Omar, oui. Tu dis quoi? Non. Non. Encore une fois, danser, il y a des mots basiques. Et non, ils vont s'inviter, ils vont pouvoir vivre dans la fusion éternelle, j'en sais rien. Danser le temps. Banalité. C'est lui, hein. Trop banal. Aujourd'hui, c'est un soliste et le directeur de l'orchestre. C'est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. Là, il y a, comme tu m'as dit, il y a de la poésie. Moi, je pense que c'est oui. Là, il y a de la poésie. Voilà, là, il y a de la poésie. En fait, vas-y, je vais écouter. Oui, oui, un grand oui. Ah, bah, il va avoir. Et si vous ne voulez pas vous lever, même à 11h du soir, et crier Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs. Attends, carrément, est-ce que tu peux nous faire le plaisir de le refaire? Et si vous voulez pas. C'est comment les gens? Ah, si vous voulez pas vous lever à 11h du soir et crier Messi, allez vous coucher, messieurs dames. En plus, je pense qu'au niveau des points, on gagne sur cette manche-là. Enfin, sur ce dernier point. Possible. De toute façon, on est là pour le plaisir. Pour s'amuser. Et nous entraider. C'est et ça. Et nous c'est amuser ça. Et de transmettre un bon sens de l'apaisement. On appelle être dans un état de vie apaisé. Bon les mecs, fin de la partie connaissance football. Là, on part sur le terrain affronter Omar sur trois défis. Le contrôle challenge, le fin challenge et le défi des pénaltys à l'aveugle.
Omar, applique toi. Omar. C'est là que vous faites, je sais pas comment vous faites. Ça, c'est. Ah, bon, mais t'as vu là, le truc, calme-toi. Oh. Il est là. Olé, olé. Oh là là là. Bravo. Vous êtes un peu trop, toi, non. Moi, c'est là. Regarde, là. Et tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Comme on appelle. Est-ce que t'as vu le mouvement? Le mouvement, c'est tac, il a. D'abord, vision. Allez, vas-y. Ah, c'est là, les fatigues. Là. Oh. Olé. Ah ouais. Je veux le chewing-gum, c'est le cigare. Oh, le mouvement, il est un peu court parce que c'est mal, hein. Faut que tu dises que c'est mal. C'est ça. Tu veux comme ça. Une, deux, putain. Ah, bon. C'est bon. Tiens. Non, j'ai rien fait. Oh là 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 là. Mais quand il a mangé. Hey, voilà. Contrôle bien ça. Putain, mais le contrôle. Prise de balle. Et pied droit, jamais. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Merci. Non, c'était pas facile, vraiment un moment délicat. Au début, il a essayé d'équilibrer, mais bon, après, la supériorité tactique, physique, invention, intuition. Non, bien petit, bien petit. À gauche. Là, il va falloir que tu lui dises aussi quel côté, et ensuite, il faut que tu lui dises on va envenenada, parce que je vais dire, toi, on va tourner la pomme, tourne, tu comprends? T'inquiète. Sur toi. Oh là 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 là. Parce que le rebond c'est fini. Sur toi. Non. Oh là 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 là. Il a dit, Omar ira jamais. Je veux voir qu'est-ce qu'il va dire. Tu vois, il savait pas. Il a mis comme 3 heures par rapport. Sur toi. D'abord, t'as analysé le vent, la pluie, et après, t'as dit sur toi. Vas-y, je te guide. Ok, chacun, il se met comme il veut. Hein. T'es okay. Même pas droit. 1, 2, 3. Vas-y, donne la vie. Gauche. Non, l'autre gauche. Là, Omar, c'est toi. Non, c'est ma... Toi, tu me dis soit à droite, soit à gauche. La mienne. Toi, tu me donnes... C'est toi qui me prêtes mes yeux. Bouge pas. Tous sur toi, ferme les jambes. Ah, là, là. À ta gauche un peu. Oui. Oh, oui. Oh, les mecs, quelle expérience de dingue. C'est fini. Un rêve éveillé. Top 10 des moments de ma vie. C'est incroyable. C'était... Qu'est-ce qu'il est ? C'est une personne vraie. Il nous a transmis sa passion du c'était football. C'était tellement simple. On a l'impression qu'il n'y avait pas de caméra, de tournage. C'était tellement naturel, pur. Dites-vous. Un mec comme ça, humain. Là, on a fini le tournage. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti au café manger avec lui. Tranquille. Mais genre, c'est normal. Moi, je suis là. Et on a pas filmé parce que c'était juste le moment. On a discuté. Il a pris le temps. Mais en fait, il s'est même pas forcé. Ouais. Donc, c'est vraiment une personne en or. Merci à lui. Merci pour l'accueil. Merci aux personnes qui ont organisé ça. Ils se reconnaîtront. C'était un moment incroyable. Quelle expérience. Là, je pense que là, c'est justifié de vous demander de vous abonner. Le like, il est obligatoire. L'abonnement, il est indispensable. Partagez. Abonnez-vous. Hein. Quand on vous dit on a des projets de fou, vous ne croyez pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien, parce que sans vous, ce serait pas possible, tous ces projets. On se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, comme d'hab, comptez sur nous. Profitez de la vie, aimez le football. Il commence à parler comme Omar. Les mecs, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Comme promis, on a organisé un petit jeu concours. Grâce à Omar, on va vous faire gagner le tout nouveau FIFA 23. Vous avez juste une chose à faire, vous abonner, et on tirera au sort l'un d'entre vous pour lui donner son FIFA 23. La vie, ce sont des moments, on les a partagés avec la jeunesse, avec le sport, et véhiculer quelques valeurs de qu'il faut rester léger, uni, et toujours aimer surtout la vie. Aimons-nous, vivons. Allez, à bientôt, merci beaucoup.